Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui les Loïc Nishmat Amram Yonah Ben Chana Piki Bat Esther Zarbat Manav Toshi Portish Simon Bat Leoni Michael Novikov Yaakov Ben Aisha, aussi les Fouat Ruth Bat Claudine Traina Betor Shal Chol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Un gros plan aujourd'hui parce qu'on a besoin du tableau, bien sûr. Et on va étudier aujourd'hui Shvuot Perek Aleph Mishnah Dalet Ve'al Shen Ba Yediya Lo Batechela Ve'lo Basof. Se'irei aregalim, us'irei rachei chodashim mechaprim, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, se'irei aregalim mechaprim, aval lo se'irei rachei chodashim. Ve'al ma se'irei rachei chodashim mechaprim, al ha'taor she'achal et ha'tameh. Rabbi Meir Omer, kol ha'se'irim kaparatan shava, al tumat mikdash ve'kodashav. Et on s'arrête là pour le moment, on complète ensuite la suite de la Mishnah, qui est en fait une répétition et un zoom sur un détail. Mais pour le moment, on va faire un petit peu de l'ordre. Ça va pas être, c'est pas compliqué, il faut juste bien comprendre. Concentrez-vous pendant deux petites minutes. Et Bezrat Hashem, ça va aller. Il y a le principe d'abord des Mishnayot en ce moment qu'on apprend. C'est la kapara, le korban que doit apporter celui qui entre au Beit HaMikdash alors qu'il est impur. Pour rappel d'abord, chose qu'on n'a pas écrit ici, c'est... Pour pouvoir apporter le korban, khatat, olev et yored que la Torah impose pour celui qui rentre au Beit HaMikdash tamé, il faut qu'il ait connaissance avant, qu'il oublie qu'il était tamé, et qu'après, donc qu'il entre au Beit HaMikdash pendant qu'il a oublié, et ensuite qu'il se souvienne qu'il a été tamé et qu'il entre au Beit HaMikdash. Donc, puisque son oubli, il est entouré par avoir pris connaissance de la Touma, et en oubli, ensuite il s'est ressouvenu qu'il a eu la Touma, alors là, c'est sur ça que la Torah, elle a dit, tu devras apporter un korban. Par contre, s'il manque ces deux conditions, savoir au début et savoir à la fin, alors il ne pourra plus apporter son korban personnel de korban khatat. Et alors, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il y aura? Puisqu'il a transgressé une grave faute, il doit, théoriquement, il doit être puni par le ciel. Et donc les korbanot du Beit HaMikdash sont là justement pour suspendre ces punitions, pour effacer, expier les fautes selon le cas. Et on a maintenant quatre sortes de korbanot. Lorsqu'on lit les korbanot des jours particuliers, des jours de Yom Kippour, de tous les Yamim Tovim, de Rosh Chodesh, on dit toujours « Us'ir izim echad chatat »« Se'ir izim echad lechatat »« Lechatat l'Hashem » Ça dépend, il y a plusieurs nosraot, ça dépend du korban. En tout cas, il faut apporter en plus de toutes les holot « Par echad, aïl echad, keves echad, ben shivak vasim » Il y a plusieurs korbanot comme ça. Et là-bas, vous verrez que toujours, il faut apporter aussi un « Se'ir izim echad lechatat » Il faut amener un korban « Se'ir chatat » C'est un korban public qui est un chatat qui vient expier pour quelque chose. On en retrouve maintenant à Yom Kippour. Alors Yom Kippour, on remettra le zoom plus tard sur Yom Kippour spécialement, où en réalité on apporte trois korbanot, ceux qui suivent la voda, on l'expliquera ensuite. En tout cas, il y a un korban, un bouc qu'on fait à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim, on jette le sang là-bas. Et il y a un bouc qu'on fait sur le Misbeach HaChitzon, ça il n'est pas écrit dans la parashat Acharemot, mais il est plutôt écrit dans la parashat Pinchas. Et à part ça, il y a le deuxième bouc qu'on va aller jeter du tzouk à l'extérieur de Yerushalayim, comme on le raconte dans la voda de Yom Kippour. On en reparlera de ça vers la fin du Pérec. D'accord. Donc pour le moment, ce qui nous intéresse pour Yom Kippour, c'est deux korbanot. Celui qu'on a fait à l'intérieur du Beit HaMikdash, du Kodesh HaKodeshim, et celui qu'on fait à l'extérieur sur le Mizbeach HaChitzon. On jette le sang sur le Mizbeach HaChitzon, on fait monter les Chalavim, et voilà, comme tous les Chataot des jours de fête. À part ça, il y a les Chataot des jours de fête, on apporte un Seir Izim, et il y a aussi le Chatat qu'on apporte à Rosh Chodesh. Ouais, là-bas, il y a marqué « Sérizim echad chatat l'Hashem ». D'accord ? On apporte aussi un chatat. Soit quatre korbanot, qui sont des séhirs, des boucs qu'on apporte en korban public, qui viennent pour expier trois, voire quatre fautes de Touma, comme ce qu'on va voir. On met de côté, avant de faire la correspondance, la jonction entre les deux, pour le moment, on va maintenant parler des types d'interdits qu'on peut transgresser. Soit... On a dit donc, ça on l'a pas ramené, c'est connaissance avant et après, il faut apporter un korban khatat personnel, individuel. Si toutefois on a pris, on en savait qu'on a été tamé avant,
et qu'on est rentré au Beth Amigdash, mais qu'on a oublié ensuite qu'on a été tamé quand on est rentré au Beth Amigdash. Donc pour le moment, je ne sais pas que je suis passible d'apporter un korban khatat, personnel, individuel. En théorie, quelqu'un qui est dans cette situation, il doit encaisser des épreuves du ciel, il a fait une grave avéra, il doit être puni pour le moment. Même s'il était Beshogeg, être Beshogeg c'est grave. En soi, c'est pas très grave, mais c'est quand même une responsabilité. De ce fait, il a besoin d'avoir pour le moment un korban qui va non pas expier sa faute, mais qui va suspendre les sourimes, c'est le premier. Donc, korban, si ça commence comme ça, on va pas s'en sortir. Alors, on va se calmer un petit peu, on remet droit, une seconde, et voilà. Le korban qui pour intérieur, le korban khatat qu'on apporte le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, lui il vient pour suspendre les sourimes de celui qui fait connaissance avant, qui a pris connaissance de la Touma avant, mais pas après. Il n'a pas su, après coup, qu'il a transgressé sa faute. Donc pour le moment, ce korban-là, il va suspendre ses fautes. D'accord ? Ça, c'était déjà depuis la Mishnah Bet. Dans la Mishnah Gimel, on a commencé maintenant à parler de quelque chose de nouveau. C'est celui qui n'avait pas de connaissance avant, il n'a pas su qu'il a été tamé. Le cas où, par exemple, je n'ai pas fait attention que j'ai touché un chérès, après j'ai rentré au Amigdash, après je reviens à la maison, j'arrive qu'ici, il y avait un scorpion mort, il y avait une souris morte, Arbar, Vacholed, d'accord, il y en a, ils sont évoqués dans la Torah, c'était la parasha de Shmini, je crois, ouais. Donc j'ai touché, après j'ai pas fait attention, j'ai rentré au Amigdash, je suis tamé. Maintenant, je n'ai pas eu connaissance de la Touma auparavant. J'ai eu la connaissance de la Touma qu'après. Sur ça, il n'y a pas de korban individuel à porter. Mais pour ça, on a besoin du korban qu'on fait à Yom Kippour. Alors, j'ai dit que pour le moment, je ne vais pas faire la correspondance. Donc, on laisse de côté. D'accord ? C'est une autre sorte de Avera. Donc, il y a connaissance avant, mais pas après. Il y a connaissance après, mais pas avant. Et il y a aussi celui qui sait ni avant, ni après. Il n'a pas fait attention qu'il a été tamé. Il entre au Beth Amigdash, il en continue à vivre sa vie. Et il n'a jamais réalisé qu'il était entré au Beth Amigdash. Tamé, lui aussi, il a besoin d'être expié. D'accord ? Donc ça fait pour le moment 300 de korbanot pour cette faute particulière d'entrer au Beth Amigdash tamé. Il y a maintenant, entre parenthèses, on va en parler plus tard, dès qu'on va atteindre Rabbi Shimon, c'est qu'il y a une autre sorte de Avera qui est un petit peu différente. C'est celui, par exemple, que par contre, on parle d'un autre cas, on parle de quelqu'un qui est Tahor, il est pur, mais il a mangé de la viande Kadosh qui était devenue Tmea. C'est une autre sorte de Avera, c'est beaucoup moins grave. Il n'a pas fait un sacrilège, lui, à la viande. Il a juste mangé une viande qui a été profanée. Alors là, c'est une autre sorte de Avera, et sa capara fera objet d'une certaine discussion. Comment on va commencer à avoir une partie ici, et une autre partie dans l'année de Mishnah plus tard. D'accord ? Donc maintenant, ce qui m'intéresse, on a donc 4 sortes de korbanot publics pour par rapport aux fautes de la Touma, qui sont... Le korban de Yom Kippour qu'on fait dans le Kodesh HaKodeshim, le korban qu'on fait à l'extérieur à Yom Kippour, et qui sont aussi les korbanot Sa'ir Khatat qu'on fait durant les jours de fête et à Rosh Chodesh. La correspondance, elle est, pour le moment, tout le monde est d'accord que le korban de Yom Kippour, il est tolé, il suspend les épreuves pour celui qui avait connaissance de la Touma avant mais pas après. Ça, c'était clair, c'est fermé. Depuis la Mishnah Bet, on a conclu ce sujet. Maintenant, pour le korban, on a déjà vu aussi dans cette même Mishnah Bet que celui qui avait connaissance que après et pas avant, c'est le korban qu'on fait à l'extérieur sur le Misbéach, donc qu'on n'entre pas son sang au Kodesh HaKodeshim, mais qu'on jette son sang sur le Misbéach à Hitzon, à Yom Kippour. Alors, lui, il vient pour expier celui qui a pris connaissance que après de la Touma, mais pas avant. Et à part ça, maintenant, on a commencé hier à lire la Mishnah d'Aled, en apprenant maintenant autre chose, et on avait lu, justement, comme ce qu'on va commencer à le faire, peut-être j'enlève le zoom, comme ça, vous ne verrez pas mes gros boutons sur le nez. Une seconde, et voilà, tout va bien. Ok, alors maintenant, on commence notre Mishnah Dalet. Ve'al she'en ba yediya lo batchila ve lo basof. Cette fois-ci, on va parler de ce niveau-là de faute. Celui qui avait connaissance ni avant, ni après. Il n'a pas fait attention du tout qu'il a été tamé, qu'il est entré au Beth Amigdash. Et là, pour le moment, dans le ciel, on lui en veut énormément. Il a fait une avéra, il n'a même pas fait attention. Il est entré avec légèreté d'esprit au Beth Amigdash. Il n'a pas pris ça assez au sérieux. Il a pas réalisé qu'il était nitma, qu'il est devenu tamé. Alors sur ça, c'est iré à Régalim, mais c'est iré à Jouradashim, mais Chabrim. Le seir qu'on apporte à Régalim durant les jours de fête et le seir qu'on apporte à Rosh Chodesh, ces deux cas, alors, ils sont Mechabrim. Ils vont lui expier sa faute, d'accord ? Divrei Rabbi Yehuda.
Tel est l'avis de Rabbi Yehuda. Ok. Maintenant, donc, il va s'avérer en fait qu'on a deux sortes de seirim ici. C'est pas deux sortes, c'est la même chose. Le korban seir khatat, le bouc khatat qu'on apporte à Rosh Chodesh et à durant les jours de fête, vient dans le même but d'expier la faute de celui qui avait pas du tout eu connaissance ni au début ni après qu'il a été tamé et qu'il entre au Beth Amikdash alors qu'il était tamé. D'accord? Rabbi Shimon Omer, seire aregalim mechaprin. Selon Rabbi Shimon, les boucs qu'on apporte durant les jours de fête, ils sont mechaprim. Pour cette fameuse faute-là que tu m'as dit, qu'il n'avait connaissance ni au début, ni à la fin. Alors ça, c'est vrai que les korbanot des jours de fête expient cette faute. Mais par contre, les korbanot, le korban sa'ir, le khatat qu'on apporte à Rosh Chodesh, ne vient pas expier la faute de celui qui avait connaissance ni avant, ni après. Alors quoi? Alors, excusez-moi, là j'ai un problème. Ah, Valma, Sirir Rosh Chodeshim Mechabrin. Alors dans ce cas-là, quelle faute les korbanot de Rosh Chodesh expient, puisqu'ils n'expient plus cette faute. Arrête, par rapport à celui qui avait connaissance avant ou après, on a fini l'histoire, il avait connaissance ni avant ni après, avant mais pas après, après mais pas avant. Et on verra, celui qui avait connaissance, d'accord? Donc finalement, celui qui avait connaissance avant et après, il doit apporter son korban individuel. Donc finalement, alors la Mishnah pose la question, Valma Seirer Rosh Chodeshim Mechabrin, sur quelle faute les korbanot qu'on apporte à Rosh Chodesh, ils expient? À la Tahor Sheachal Atatameh, sur celui qui était Tahor, un homme qui était pur, et qui a mangé une viande qui était Tmea. Un nouveau issour, c'est ce qu'on a écrit ici, la viande impure. D'accord? Donc il savait en fait que, d'après Tanakama, Fête et Rosh Chodesh viennent tous les deux pour expier cette faute uniquement. Cette faute-là, elle ne se fait pas expier par ces korbanes en particulier. Elle sera expiée par le korban de Yom Kippour qu'on jettera depuis la falaise. D'accord? On le verra plus tard. On le verra sans le voir, tellement c'est évident. Et selon Rabbi Shimon, autant que tu as su séparer que chaque korban vient pour quelque chose de spécifique, alors le seir de Rosh Chodesh vient lui aussi pour quelque chose de spécifique. C'est celui qui a mangé une viande qui était Tmea. D'accord? Maintenant, on avance maintenant, on va voir quelque chose de tout nouveau. Encore un troisième avis maintenant sur quelle faute, comment faire correspondre les fautes et les korbanot. Rabbi Meir Omer, kol ha-seirim kaparatan shava al tumat mikdash v'kodashav. Rabbi Meir Omer, il nous dit non, je suis pas d'accord avec le fait que tu me dises que chaque korban vient pour quelque chose de spécifique. Non, tous les korbanot viennent pour toutes les fautes. Ça a l'air gros, mais en réalité, c'est ces trois korbanot-là, c'est-à-dire le korban de Yom Kippour qu'on fait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Celui-là, Rabbi Meir est d'accord qu'il a un statut particulier, il vient juste pour suspendre les issourim dus à celui qui avait connaissance avant, mais pas après. Mais par contre, tous les autres seirim qu'on apporte durant les jours de fête, ou bien même celui de Yom Kippour qu'on fait à l'extérieur du Beth Amikdash, du Kodesh HaKodashim, celui qu'on fait sur le Mizbeach Hatzon à Yom Kippour, tous ces trois-là, ils viennent pour expier ces deux fautes-là. Celui qui avait connaissance après mais pas avant, et celui qui n'a pas du tout eu connaissance. D'accord? Pour ça, la viande impure, Rabbi Meir n'en parle pas. Ok? Il n'en parle pas parce qu'il va penser que c'est le korban de. C'est le fameux bouc émissaire qu'on va jeter à Yom Kippour qui va expliquer ses fautes. On continue donc. Aya, Rabbi Meir Omer, Kol Aserim Kaparatan Shava, Al Tumat Mikdash, Vekodashav. C'est clair? On avance maintenant. Aya, Rabbi Shimon Omer, Seirer Rashi Kodashim, Mechaprin, Al Atahor, Shachal Atatame. ושל רגלים מחברים אשן בידיעה לא בתחילה ולא בסוף ושל יום הכיפורים מחפר על אשן בידיעה בתחילה אבל יש בידיעה בסוף. C'est une pure répétition, on le traduit très rapidement. Rabbi Shimon disait que les seirim de Rosh Chodesh viennent expier les fautes du mechaprin al taor shachal tatame sur l'homme pur qui a mangé la viande qui était tmea. Veshel regalim et les seirim des jours de fête expient les mechaprin al shen bayidia lo batrila velo basof. Ils viennent expier pour les fautes qu'on avait connaissance de la Touma ni avant ni après. Veshel yom kippourim et les korbanot de yom kippour, le korban de yom kippour spécialement, le seir qu'on fait sur le Mizbeach Hatzon, lui il est mechaper al shen bayidia batrila velo bayidia basof. C'est une pure répétition. D'accord? La correspondance, comme ce qu'on a dit, il s'intéresse juste aux trois. Premier, il ne rapporte plus celui de Rosh Chodesh. Il le saute, il n'en parle plus, parce que c'est-à-dire la Gemara l'a réintroduit sur Rabbi Shimon, parce que maintenant on va poser une question sur Rabbi Shimon. Amroulo, Maouche écrivez-vous, est basé. Selon toi, Rabbi Shimon, en réalité, le partenaire il explique que c'est Rabbi Meir qui lui pose cette question. Rabbi Meir, il lui dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple,
on avait prévu d'avoir un korban khatat à Rosh Chodesh, au Beth Amikdash, on l'avait sélectionné, on l'avait choisi, et ce petit seir, ce bouc, il s'est enfui, il a disparu. Du coup, on a dû prendre un autre korban. On a pris un autre korban, on a choisi un autre bouc pour en faire avec lui le korban khatat. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, une fois qu'on a fini d'apporter le nouveau korban khatat, l'autre, il est revenu avec un grand sourire. Il nous a dit, le petit korban, le bouc, il est revenu. Et c'était trop tard, on ne pouvait plus l'apporter à Rosh Chodesh, par exemple. Mais ce qui se passe, c'est que 15 jours après, il y a, par exemple, Pessah. Est-ce qu'on pourra dire, c'est un seir khatat public, on pourra apporter un seir khatat public à la place? Donc, Maouche et Ikrevouz et Vazé, selon toi, Rabbi Shimon, qu'en est-il par rapport à la halakha de les apporter un à la place de l'autre? Soit un il a été perdu, finalement on l'a retrouvé, on l'apportera pour faire une autre expiation. C'est Rabbi Meir qui lui pose la question, parce que Rabbi Meir, pour lui, c'est sûr que si on perd, par exemple, le Korban Khatat, le Seir de Yom Kippur qu'on devient sur le Mizbeach HaChitzon, eh ben, si on l'a perdu, puis après on le retrouve deux jours après, on pourra l'apporter à Sukkot, par exemple. Quand trois jours avant, cinq jours après, il y a Yom Kippur, il y a Sukkot. On pourra aussi l'apporter en Korban Seir, pour lui, c'est une évidence pour Rabbi Meir. Mais il pose la question à Rabbi Shimon, selon toi, qu'est-ce que tu dis? Selon Rabbi Meir, que chaque Korban expie les mêmes averot, il n'a aucun problème de les changer l'un avec l'autre. Mais selon toi, Rabbi Shimon, que chaque korban, il a son expiation spécifique, Maouche, Ikrevouz et Mazé, qu'en est-il de les apporter l'un à la place de l'autre? Si toutefois il y a un problème, ça s'est perdu. Amar Lahem, qu'avez-vous, Ikrevouz? On pourra les apporter, il n'y a aucun problème de les faire korban. Amourulo, Chachamim, lui ont répondu, qui est en fait Rabbi Meir, comme ce que Bartholomé explique. Hoil ven kaparatan shava, herkelevim zebazé, étant donné qu'ils ne viennent pas expier pour la même faute. Comment se fait-il que tu tolères de les apporter un à la place de l'autre? Soit, si c'était par exemple, comme on a dit, le Seir de Yom Kippour qu'on fait sur le Mizbeach HaChitzon, qui a été perdu, après on l'a retrouvé juste avant Sukkot, on a envie de l'apporter à Sukkot. Toi, Rabbi Shimon, tu tolères de dire, t'as qu'à apporter ce Seir Khatat public, tu l'apportes à Sukkot, il n'y a pas de problème, comment tu peux dire ça? Celui de Yom Kippour, il venait pour celui qui avait connaissance après. Et celui de Sukkot, il est censé expier celui qui a connaissance ni avant ni après. Et comment tu peux dire que tu l'échanges l'un avec l'autre? Amarlen, Kulan Bain, Lechaper, Altumat Mikdash, Vekonashav. Tous ces korbanot-là viennent tous pour expier le même type de faute qui sont l'impureté de celui qui rentre au Beth Amikdash ou de celui qui mangerait de la viande kadosh alors qu'il est lui-même tamé. On a fini la Mishnah. On fait très rapidement Rambam Barthénois, histoire de ne pas trop allonger ce cours. C'est la régalim. Les korbanot des régalim des fêtes. Bechol régalim, Nehemrou, Seiré, Khatat, Bemoussafin. Dans la Torah, on a expliqué, la Torah a dit d'apporter à chaque fois un korban Seiré, Khatat. Veseiré, Rosh Chodeshim, Mechaprin aussi. Les Seirim de Rosh Chodesh sont Mechaprin, Dirtiv. Beseir, Rosh Chodesh. Il est écrit dans le Seir de Rosh Chodesh. Les Khatat, l'Hachem. D'apporter un korban qui vient pour Hachem. Qu'est-ce que ça signifie? Chet Shem Makir Bo El Hachem. Là, on a une allusion dans la Torah qu'on parle d'une faute que seul Hachem le sait, qui avait connaissance. C'est Seir Zeyen Chaper. Ce Seir-là, ce bouc-là sera expira. Vainu Shem Bo Yedi Alobatri Alabasov. Donc on parle là, en l'occurrence, de la faute de celui qui avait connaissance, ni avant, ni après. Que seul Hachem connaît sa faute. Veseir Regalim et les autres korbanot, les Seirim qu'on apporte durant les jours de fête, il y a le Finan Miseir Rashur Chodesh Bekesh. On les apprend par juxtaposition avec les korbanot de Rosh Chodesh. Par une juste position. Des Seir avait Matsé les Mirtav. On aurait pu écrire juste Saïr, Bekoulou. Seir, ils aiment Khatratat. Et Bekoulou, Regalim, Vektiv, Veus, Ir. Et il y a marqué là-bas à la droite, alors j'étais un Vav. Vav, Mossif, un Vav supplémentaire. Alien Rishon, pour te dire que, comme ce qu'il y avait initialement, précédemment, tu mets les Akish, chez Alma, chez Zemechafer, et le Mechabrim, pour que tu juxtaposes que sur ce que l'un expie, l'autre expie. Kol Aseirim, Kaparatan, Shava, tous les Seirim ont la même. Explique pour les mêmes avérots, c'est la vie de Rabbi Meir. Kol Seira Moussafin, Ben Seira Regalim, Ben Seira Shumadashim, Ben Seira Nesaba, Chutz Beyom Akipurim. Tous les Seirim qu'on apporte, soit durant les jours de Rosh Chodesh, durant les jours de fête, durant Ayom Kippour, mais le Korban qu'on fait extérieurement, attention, pas celui qu'on fait à l'intérieur. Kaparatan Shava, tous ont la même Kapara. Shem Mechaprim, la même expiation. Shem Mechaprim, Ben Al Shemba Yediya Batrila Veyesh Badiya Basof. Ben al shem ba'yidi alo batrila velo basof. Ben al taor shachal et tatame. Mais il inclut même aussi le taor shachal et tatame. C'est explicite ici. J'ai pas fait attention quand j'ai préparé la Mishnah. En tout cas, ils viennent expier pour toutes les mêmes avérotes. D'accord? Tous les korbanot, ils expient pour la même chose. Tout cela, 1, 2, 3, ils expient sur ces 3 avérotes. D'accord? Venav kamina le tuma sheira ben zulezu. Quel est l'intérêt?
sur quoi tu discutes Rabbi Meir, et bien pour celui qui a fini Yom Kippour, et le lendemain, il n'a pas fait attention qu'il a été tamé, il est entré au Beth Amikdash, donc il est devenu tamé. Pour pouvoir avoir sa kapara, il devra attendre un an supplémentaire jusqu'à que Yom Kippour arrive. Non, selon Rabbi Meir, 5 jours après, il y a Yom Kippour, il y a Sukkot, il pourra là-bas apporter le saïr que le public va apporter. Lui expira de nouveau sa faute d'être entré au Beth Amikdash, même s'il a eu connaissance ensuite. Aval Seir Anessa Bifnim Veyom Beyom Akipurim, par contre, le Seir Anessa Bifnim, le tout premier, le Seir Anessa Bifnim, le Korban Seir, qu'on apporte le sang à l'intérieur du Beth Amikdash, Beyom Akipurim, l'on echleku alav, shehu tole, al sheshba yediya batchila ben bayediya basof kedermenan. Lui, il est très particulier, il ne se mélange pas avec les autres. Sa kapara, elle est spécifique à lui, il n'explique personne d'autre non plus. Et voilà. Hayar Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon expliquait. Alors on avait vu que Rabbi Shimon, il répétait franchement tout ce qu'on avait déjà lu. Alors, Haïde Adar Nakatla, pourquoi tu me répètes de nouveau le même Rabbi Shimon qu'il y avait dans le début de la Mishnah? Mishum de Bela Mehmar, Amrolo, Maoshi Krivoze Vazé, parce qu'en fait, c'est une introduction pour. On charge pour ensuite lui tirer dessus. D'accord, Maoshi Krivoze Vazé, quand on a la gmala, posé la question, est-ce qu'on peut les apporter à la place de l'autre? C'est-à-dire, Imabad Sahir, Sheoufrash, Layam Akipurim, Venit Kaproube, Acher, si on a perdu le Korban qu'on avait initialement prédestiné à Yom Kippour, on l'a perdu, Venit Kaproube, Acher, donc on a dû choisir un autre bouc. Venim Tzaze, Beregel, Oberosh Kodesh, et quelques jours après, on le retrouve celui-ci là. Maou, Sheikarev, Lachem, Seiro, Lachem, Seiro, Shalom, est-ce qu'on pourra l'apporter en tant en guise de Korban Sahir, de bouc, de Khatat, pour le jour, en l'occurrence, qu'on a besoin de faire le Korban, Amrolo? Alors sur ça, il leur a répondu, oui. Alors sur ça, Amroulo, ils l'ont dit, mais comment c'est possible? En kaparatan shava, ils n'expliquent pas sur la même avera. Rabbi Meir ou de Kamarle le Rabbi Shimon. C'est Rabbi Meir qui répond à Rabbi Shimon. Bish la maya marta kulan me kaparatan shava yikarev. C'est ça, allait bien, si tu pensais comme moi, que tout le monde a la même kapara, que tous expliquent sur les mêmes avérotes. Donc, on peut les changer si ça s'est perdu, on peut en apporter l'un à la place de l'autre. C'était le korban de Sukkot, on va pouvoir l'apporter à Rosh Chodesh, le korban de Kippour à Sukkot aussi, aucun problème. Ils viennent tous pour réparer la même faute. Elle a dit d'af, mais selon toi, Rabbi Shimon, Zo shuvrecha lechaper al she'en ba yediya batechila veyash ba yediya basof. Celui-ci qui a été mis de côté, désigné pour expier, celui qui n'a pas de connaissance, celui qui n'a pas de connaissance au début, mais qui a connaissance à la fin de la Touma, comment peut-il venir servir, apporter le Corban, expier une faute que une autre faute, celui qui avait connaissance ni avant ni après, ou bien Rosh Chodesh, le chaper à la torche, à la tamé, ou bien Rosh Chodesh pour expier celui, le tamor qui a mangé le tamé, le chaper à la tomate, migdash, mais kodashav. Sur ça, c'est la réponse de Rabbi Shimon qui nous disait « Tous viennent pour réparer le même type de faute finalement. »« Kevan, vekevan, debeze, shavin, afalpi, shikaparatan, chalukot, yachol ou likarev. » Étant donné qu'ils viennent tous pour réparer le même type de faute, donc ça inclut même aussi celui de Rosh Chodesh. Et d'accord, pour celui qui a mangé la viande qui était impure, selon Vartanra, comme il explique, je n'ai pas fait attention au début, mais maintenant on a corrigé. Donc les trois là, puisque finalement, ils viennent sur le même sujet, expier les fautes qu'on aurait pu faire en entrant au Beth Amikdash, en mangeant de la viande avec de l'impureté, soit parce que je suis impur, soit parce que la viande est impure, ça revient au même, ils viennent tous pour le même type, le même nombre de fautes, le même type de fautes, donc de ce fait, on peut les modifier, les changer l'un avec l'autre, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout cela.